Jeudi 7 octobre 2024, madame, messieurs, vous bonjour, vous bonsoir pour nous tous. C'est quatrième et avant-dernière sortie journal pour la nouvelle show vers son créole pour ce maintenant qui arrive à la caillou. Et en quatrième édition, qui vient de supporter toute l'équipe, sa rédaction, l'école de supervisée par Dr. Iwasonnière, mise en ordre de l'IA assurée par Wensley Louis et micro-présentation comme d'habitude, son micro-lui. Renoir Ulysse, ensemble avec Yves Lagona. Bonjour Yves Lagona. Bonjour Maître Renoir Ulysse, bonjour, bonsoir Wensley Louis, bonjour, bonsoir tout le monde. Mais ensemble de points qui pourra dominer l'actualité après aujourd'hui, PNH l'a fait connaître, il a mené une opération dans le Fonds national dans la date 5 à 6 novembre 2024. L'institution a dit qu'elle a déployé plusieurs unités dans Solino et elle reprend le contrôle zone Fonds national. Sylvia Akama chez Miragwana. Depuis semaine passée, bandit dans le groupe Vivre Ensemble augmenté attaque sur le Fonds national côté une base Boyd Teye. Remaniement ministériel Conseil présidentiel transition a demandé à l'Assemblée pas ni pour aujourd'hui ni pour demain. Premier ministre Dr. Gary Conille compte n'importe remaniement ministériel. Dans une lettre livrée par le président Conseil présidentiel transition M. Leslie Voltaire, Premier ministre l'a informé que le remaniement ministériel sans évaluation ministre pral seulement fait crise la vin pi mal. Organisation citoyenne pour un nouveau Haïti OCNH a publié un rapport critique sous gestion Renan Edouville. Un document a révélé manquement grave avec une accusation sous mauvaise gestion Bureau protection citoyenne OPC, institution publique qui est responsable pour assurer respect droit monde en Haïti. Yon délégation Conseil électoral provisoire qui c'est KEP aller aux États-Unis, président KEP qui c'est Patrick Saint-Hilaire, vice-président là qui c'est Schneider Adeli, directeur exécutif KEP Marc Delis ensemble avec l'autre non exécutif là était présent dans Washington pour être capable observer progrès élection américaine yon. Ministre intérieur dominicain démenti déclaration Dominique Dupuis tout est fait pour dire il constater chiffre descend dans déportation haïtien yo en République dominicaine. Ça c'est résultat effort solidarité nous fait à allié nous yo d'après monsieur Raffoul. Déclaration Dominique Dupuis a fausse et puis l'a pas cherché fruit boucherie dans affaires intérieures pays. Dans une lettre tout l'ouvri collectif ensemble ancien magistrat provisoire qui c'est Camille voyé par premier ministre Dr. Gary Conille sous situation pays a yo exprimé inquiétude yo par chef gouvernement hier mercredi qui était 6 novembre 2024 là. Et puis information l'autre bord de l'eau fait connaître premier ministre israélien qui c'est Benjamin Netanyahu avec un président élu américain Donald Trump té discuter sous menace iranienne pour sécurité Israël dans jour mercredi 6 novembre là pendant un échange par téléphone c'est bureau premier ministre israélien qui fait annonce là. Et aux États-Unis, vice-présidente Kamala Harris a relé Donald Trump pour le féliciter pour victoire dans l'élection américaine. Kamala Harris a relé Donald Trump hier mercredi pour le féliciter victoire dans présidentielle. Côté vice-présidente là dit il reconnaît défaite li et li parler à ka prochain président qui c'est Donald Trump sous importance qui gagne pour ta faire un transfert pouvoir pacifique. Et même Joe Biden lui-même président actuel là était félicité Donald Trump pour élection 5 novembre 2024 là. C'est point ça yo ak divers lotes qui va le faire essentiel 4e et avant dernier paraître prochain val pour journée et pour journée nous invite à rester branché n'a retourner. Proche café au lait, le mélange entre l'information, d'ailleurs, le savoir-faire et dire, culture, consultation, doléances, politique, débat, micro ouvert, une bonne tasse de café au lait le matin pour se réveiller. Cela aide à réduire la pression, remonte le moral et permet de se détendre. Savourez chaque matin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Proche café au lait. Sur nos différents canaux de diffusion. Versez
verser du café, du lait. Proche café au lait. L'information est un savoir. L'information, c'est le pouvoir. Radio Téléproche vous permet de comprendre, d'entendre et de voir. Voir le monde, le pays et votre entourage. Dans une quête d'objectivité permanente, chaque jour, les nouvelles sur Radio Téléproche vous transmettent le vrai pouvoir. 7h AM, midi, 7h PM. Nous vous développons l'actualité avec la meilleure équipe sur le cadran. Sur tous les médias modernes, radio, télévision, réseaux sociaux et plus, accrochez-vous. Le monde tourne continuellement. Radio Téléproche, la stabilité sur la balance de l'actualité. Bienvenue dans le développement journal là, gendarme Solia, PNH, la police nationale d'Haïti fait qu'on est invité à mener opération dans le fort national dans la date 5 à 6 novembre 2024 là. Institution a été déployée, plusieurs unités spécialisées dans Solino et les reprennent contrôle zone fort national. Sylvia Akamaché Miragouane, directeur départemental l'Ouest 1 qui fait qu'installer des présents sous scène opération yo PNH la félicité population pour collaboration yo et les qui te permettent de récupérer zone Silaire. Conseil présidentiel transition ak Primatilan qui n'a pas de faire en tant conseil présidentiel ak premier ministre Gary Conille, ça a continué kembe opinion publique là côté premier ministre docteur Gary Conille qui montre li pas dans ses collé ak remaniement ministériel CPT a mandé voyons lettre by président conseil présidentiel là monsieur Leslie Voltaire côté premier ministre là informé que yon remaniement sans évaluation ministre pral seulement fait crise la vin pi mal, c'est pas changement dans gouvernement qui pral résoudre problème 700 000 moun qui déplacé internyo ak 5 500 moun qui nan insécurité alimentaire. Conseil présidentiel transition bon côté pas li décrit correspondant ça que premier ministre Gary Conille voye balien comme arrogant. Organisation citoyenne pour un nouveau Haïti au CNH a publié un rapport critique sous gestion Maître Renan Edouville, actuel protecteur citoyen. D'après au CNH, M. Edouville échoué dans la mission parce que lui négligeait plainte citoyen et lui manquait de transparence dans la gestion fonds institution. Rapport a mis accent sur un manque de rigueur dans GT. Cas violation droit moun ak mauvaise gouvernance interne qui affaiblit efficacité nan OPCA. OCNH a mandé yon enquête approfondie pour examiner finance ak administration OPCA yon façon pour rétablir confiance nan institution essentielle sa. Nous parlons dans la République dominicaine côté ministre intérieur dominicain démenti information ministre affaires étrangères qui te dit li gagnon réduction dans rapatriement haïtien yo dans République dominicaine sous compte X li madame Dominique JP te écrit nous constater chiffre yo descend dans déportation haïtien dans République dominicaine ça c'est résultat effort solidarité nous fait ak alié nous yo. Haïti vle yon dialogue nan respect ak franchise ak dominicain pour nous ça gagnon partenariat qui nan avantage nous tous les deux n'a salye dimension nan déportation yo diminution nan déportation yo qui se fouille effort nous ak solidarité alié nous yo. Haïti vle yon dialogue qui chita sou franchise ak respect ak République dominicaine pour yon partenariat côté chaque nation ap ka joine bénéfice sous compte X li ministre intérieur ak police république dominicaine qui se Farid Raful li démenti catégoriquement déclaration ministre haïtienne nan affaires étrangères madame Dominique JP concernant une réduction rapatriement sous demande Haïti. D'après monsieur Raful, déclaration madame Dominique JP li fausse et l'a cherché pour fouiller bouche li dans affaires intérieures pays li. Ces déclarations monsieur Raful fait sous compte X li.
Yon délégation conseil électoral provisoire CEPA est allé aux États-Unis. Président KEPA qui c'est Patrick Saint-Hilaire, vice-président institution qui c'est Schneider Adeli, directeur exécutif KEPA qui c'est Max Delis, ensemble avec l'autre membre exécutif institution, qui présent dans Washington DC pour observer progrès élection américaine. N'a pas quitté KEPA pour nous parler de CAMI, qui c'est collectif haïtien magistrat provisoire Haïti. Yo adressé yo à la premier ministre Dr. Gary Conille sous situation pays a pas subi. Même CAMI yo rappelé premier ministre Dr. Gary Conille que li pas respecté promesse li yo 4 mois après li fin prend poste. Collectif la rappelé tout à premier ministre la promesse li pour lancer un vaste projet sécurité qui visait pour te récupérer territoire perdu yo, yon promesse que CAMI considéré qui pas accompli et li fait remarquer seulement manque de progrès dans récupération zone yo que reconnaître comme territoire perdu, mais tout gagné yon extension dans zone qui en bas contrôle groupe armé yo. En plus de ça, CAMI dénoncé ak violence sans pareil ak barbarie kap souk et sekwe nation an koulye a et li mentionné que massacre pension de gang griffe ça vient te fait nan date ki te 3 octobre 2024 lan. Collectif le rappelé que route principale yo rete en bas contrôle gang armé yo, ça qui entrave sérieusement mobilité sécurité à travers pays an. Toujours d'après sa Kamidi, li mande premier ministre Dr. Gary Conille pour répondre à revendication et jan population an, surtout dans domaine sécurité qui tourne priorité nationale. Si attente en peuple an pas satisfait, nous encourager à retirer conséquences yo, et puis si ça nécessaire bay démission ou pour yo ka former un nouveau cabinet pour satisfaire besoin jan nation an. Ces déclarations collectif ancien magistrat provisoire Haïti qui c'est CAMI. Information a continué sur antenne Radio Polar qui c'est Radio Téléproche. N'a pas parlé à présent des questions éducation côté ministre éducation nationale à formation professionnelle là maître Augustin Antoine à ambassadeur de la France là, en Haïti qui c'est Antoine Michon qui rencontré 5 novembre là pour capable examiner possibilité pour coopération dans secteur éducation. Parmi priorités mentionnées, c'est renforcement éducation publique, augmentation service cantine scolaire et développement infrastructure éducationnelle. Pendant discussion ça yo, des responsabilités abordé plusieurs domaines en coopération pour renforcer secteur éducation haïtien. Nan niveau éducation, discussion yo te concentré tout sur formation continuelle professeur yo ak révision programme l'école yo pour yo ka pi bien satisfait besoin société haïtienne. Ambassadeur Michon réaffirmé engagement pays la France pour supporter initiative sa yo, surtout à travers yon fonds plusieurs millions d'euros qui gen intention renforcer cantine et scolaire pour année académique 2024-2025 là, support ça a gain pour objectif augmenter utilisation produits agricoles local dans l'école yo en ligne avec déclaration Paris coalition manger l'école. N'a pas continué remercier tout le monde pour fidélité et attention yo accordé à antenne radio téléproche. N'a passé dans page internationale journal lan pour parler de Israël par téléphone côté premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ak président élu américain qui c'est Donald Trump yo te discuté sous menace Israël iranien pour sécurité Israël yo te fait yo te discuté c'est hier mercredi 6 novembre 2024 là d'après sa bureau premier ministre israélien te annoncé
conversation zanmi taisa li te cordial d'après ça yo di côté premier ministre là féliciter monsieur Donald Trump pour victoire li dans élection côté deux leaders yo d'accord pour yo collaborer sous sécurité Israël yo te discuté tout sous menace iranien qui supporté par palestinien Hamas ak Hezbollah libanais dans la guerre contre Israël. On a parlé de questions élections américaines. Côté vice-présidente américaine Kamala Harris, félicité ancien président américain républicain Donald Trump pour victoire dans l'élection qui était faite mardi 5 novembre 2024 là et qui était marquée par une campagne serrée pendant échange ça. Harris a mis accent sur l'importance d'une transition la paix et l'itérité engagée avec tout américain. Yo appelle ça souligner engagement tous des candidats pour préserver l'unité nationale. Et puis, dans le pays qui va gagner ouragan Raphaël qui arrive hier mercredi 6 novembre 2024 dans l'ouest de la Havane dans catégorie 3 pendant Zilea te plongé dans feu noir à cause effondrement système électrique là à cause gros rafale vent qui pire à 185 km par heure d'après centre national ouragan NHC qui basé dans état Floride. Dans le bulletin publié à 9h15 dans l'après-midi, qui c'est soit 4h15 les locales. Voilà, voilà, messieurs, c'est là nous arrivons dans le bout du journal, la nouvelle show. Et pour aujourd'hui, on a pour que vous suivez l'émission Vola, qui c'est l'émission Café au lait, une émission à plusieurs rubriques, côté le journal, là, espace commentaire, invité, et sans ne pas oublier. Jogging matinal là qui toujours est bien terminé émission ça qui est apporté par Kevin Hippolyte D.L. Fling matin hein, nous allons gagner pour nous nous recevoir docteur Bob Rousseau et on croit qu'il est déjà en ligne qui va parler nous des élections américaines qui ouais, ont victoire Donald Trump qui vient 47e président pour deuxième mandat, il était 45e président. L'État va le détourner par Joe Biden et qui retourne en force, qui fait une victoire tête chargée. Et c'est déjà avec nous Bob Rousseau qui, depuis les États-Unis d'Amérique, qui va parler nous de ça qui était passé dans le jour qui était mardi 5 novembre et qui possibilité qui gagnait avec l'ascension de Donald Trump dans tête. Pays les États-Unis non seulement pour payer à lui-même et pour reste monde là. Mathilde Sonoa avant nous allons rejoindre docteur Bob Rousseau qui a fait tout dernier arrangement pour rejoindre nous dans sud et pour rejoindre nous depuis les États-Unis et gagné premier ministre Gary Cody Mathilde Sonoa qui s'est parlé question remaniement ministériel que premier ministre et que président conseil présidentiel là Leslie Voltaire a demandé depuis quelques jours d'après une lettre li voyé bay président conseil président qui c'est Leslie Voltaire et l'Itaman Deli, il fait le connaître que remaniement, il fait le connaître que si, pour remaniement ministériel, il faut que tu aies sans évaluation ministre, ça c'est pour empirer crise là, puis plus ces déclarations ça le fait. Nous, pendant la semaine, nan, hier, pas plus tard qu'hier, et nous t'ai dit dans l'émission, l'émission Café au lait, si et si premier ministre docteur Gary Cody a tiré code là comme ça avec conseil présidentiel là qui t'a doué projet et conseil présidentiel là t'a doué gagner pour Gary Cody là me dit projet dans qui sens côté nous connaît côté paysan déjà à vivre non yon insécurité qui et mangomen et code après aller entre premier ministre là qui pas vle faire un remaniement ministériel li tellement pas vle un remaniement ministériel li mandé à conseil présidentiel transition faut que l'état et ben fait yon fin mette yon fin avec
avec trois conseillers présidentiels qui impliqués dans scandale BNC1 côté gagné déjà gagné trois conseillers ça yo qui déjà gagné et qui gagné pour yo gagné juge d'instruction qui c'est monsieur Félix May qui t'a demandé moun sa yo pour yo venir devant devant lui dans cabinet ministère qui pour venir devant lui pour venir devant lui pour venir fournir explication sous question scandale BNC à côté premier ministre là râler quatre ça dernier quatre là dernier grand quatre li râler c'est que li mandé avec conseil présidentiel transition pour ta mettre sous côté trois conseillers présidentiels qui impliqué dans scandale corruption et BNC et nous connaît et trois conseillers ça yo metti les sous noir yo pas d'accord yo même pour yo remettre démission yo. Encore une fois, évidemment, laissez-nous saluer tous les amis qui toujours font le devoir chaque matin pour brancher l'émission 5, qui c'est l'émission Café au lait. Une émission qui passe sur l'antenne radio ça chaque jour, sorti lundi pour le vendredi depuis le 7 heures du matin. Nous saluer tous les amis, toutes les bases qui branchent un peu partout. Matin, on a pris précaution pour ne pas citer aucun nom ni aucune base. Parce que nous connaissons, nous ne pouvons pas créer des jaloux. Nous ne pouvons pas créer des jaloux. Donc, nous avons essayé et bien seulement saluer et montrer notre reconnaissance envers et bien diligence que vous faites pour être capable de brancher Radio Téléproche chaque matin pour suivre l'émission Café au lait. Donc, nous pensons déjà à son bagage qui durait trop, qui répète qui existait en tant que CPTA. Avec le gouvernement lui-même, et un gouvernement qui est dirigé par Gary Conné et qui, depuis l'ascension de la tête de Primatia, eh bien, lui montrer lui pas prend l'ordre dans le conseil présidentiel. Là. Et il a rappelé la première sortie qu'il a fait. Donc, c'est pendant qu'il a avion, il a voyé un texte par WhatsApp by monsieur, annoncé qu'il n'est pas là. Bon, et dans l'époque-là, c'était Edgar Leblanc qui était président du conseil là, ça que monsieur était couru faire côté l'ITCE. Donc rappeler monsieur Konyi à l'ordre pour te dire que eh bien c'est pas une bonne manière, c'est pas comme ça pour l'avertir qu'elle a sorti. Bon, Gary Konyi t'a fait promesse que ça pas continuer et nous voir par la suite qui ça t'a pas le passer et il continuer là même lancer à montrer que lui-même il pas recevoir l'ordre déjà. C'est qu'on va un problème qui était posé, un problème d'ordre protocolaire qui était posé dans l'occasion 79e Assemblée générale des Nations Unies. Eh bien, il a été essayé de relayer là pour demander à Mme Dupuy et de quoi il en est, pour qui ça se concerne, il était planifié et agenda. Et M. Konyi, lui-même, il n'est pas d'accord, Madame l'a présenté et il a demandé un report. Et il était annoncé lui-même là, accompagné madame en personne pour aller dans la rencontre là et nous connaît comment ça s'est passé. Et ça persistait, je veux dire, ils ont exigé un remaniement ministériel. Et bien, ouais, encore, le premier ministre dit lui-même, il n'y a pas de question de remaniement ministériel parce qu'il y a un remaniement ministériel capable et bien entraver. Eh bien, processus en transition, et pendant l'idée du panel remaniement ministériel, elle a exigé à CPTA pour yo mettre de côté trois membres qui impliqués dans la question et scandale, je vais dire méga scandale qui arrivait dans la question BNCA. Donc, et nous dit et nous répété déjà, si répète ça dure trop, et nous déjà, ouais. Eh bien, pas de question pays qui a réglé là, pas de question pays qui a réglé parce que, ou pas qu'il y a des dirigeants qui ont appelé pour mettre tout ensemble, pour retirer le pays à nos situations d'ordre sécuritaire, d'ordre crise humanitaire, et pour ne citer ça seulement, et voilà que je dis, ils ont mis tout non question, si répète, conflit d'autorité, et nous finissons par comprendre, et selon ça, cap déroulé là son monde capable entre les lignes on va finalement eh bien Gary Konyi a fait CPTA ça pas existé pour lui ça il pas respecter monsieur Sayo dans quel que soit niveau a il pas prendre l'ordre et monsieur Sayo tout pas gain la voix au chapitre et pour décider rien dans pays a et toute décision qu'a prend c'est seulement par Gary Konyi par lui même seulement
pour ça passer. Déjà, c'est Pété à lui-même qui m'a dit pour vous mettre de côté ministre de Justice et Sécurité publique, qui se met à l'autre sécurité. Yo te décidé également, surtout Leslie Voltaire, eh bien, il était décidé pour te mettre de côté Madame Dominique Dupuis et qu'elle estime qu'il n'y a pas de respect eh bien, pour la présidence. Et qui t'a fait des déclarations après ou bien pendant et déportation massive haïtien en République dominicaine. Donc il a trouvé que Madame n'est allée trop loin. Donc tout ça, c'est des raisons qu'elle t'a évoquées pour être capable eh bien mettre Madame Dominique Dupuis de côté. Et Gary Kone dit pas rien comme ça à faire rien Madame Dominique Dupuis. Et même c'est peut-être ça mandé également pour ta mettre Madame Florestal de côté parce que il trouvait qu'elle est un petit genre inactif dans le gouvernement. Et mais si tu as comme exemple regardez que le gouvernement qui t'a annoncé yon subvention pour tout parent yo dans l'occasion de l'école là pour être capable préparer entre classe yo. Et nous ouais jusqu'à présent c'est bruit qu'a fait, c'est quelques annonces qu'a fait, qu'a dit que quelques parents t'a déjà joint, mais nous pouvons jamais venir témoigner formel que ton parent a dit effectivement promesse que le gouvernement a fait à lui-même, lui qui est honoré et qui est honoré promesse ça envers lui. Donc ça a arrêté dans stade rumeur, ça a arrêté dans stade slogan parce que majorité gouvernement va voir ici c'est des slogans ils vivent. Donc c'est là nous y est pour l'instant Ida et nous déjà ouais bagay ça libre aller loin et nous pouvons comprendre sous qui ça l'a débouché et c'est pour la première fois nous capable dire n'a vivre une situation pareille en Haïti côté que un premier ministre montre c'est lui-même qui seul coq qui chante dans Basse-Cour c'est lui-même qui seul tout bégler dans Basse-Cour et bien pas gain l'autre monde qui gain la voix au chapitre. Et c'est un bagage comme ça n'a pas assisté une jeudi à et n'a pas de nous qui côté ça a mené nous parce que si une jeudi à pour CPT a qui gagne pouvoir de nomination et qu'il pas gagne pouvoir de révocation et même son ou bien pouvoir de remplacement tout parce que moi dit ça ici à moi te dit depuis après installation premier ministre Gary Kone CPT a pas rien encore son je me dit ça ici à et ça prouve journée jeudi a et monsieur yo eh bien yo croisé bras yo a assisté à un Gary Kone capable en maître seigneur et yo continue à faire demande et Gary Kone continue à bailler refus. Mais est-ce que dernier correspondance et premier ministre là voyé bail conseil présidentiel transition pas montré à clair que CPT pas capable de remplacer les propositions un article non accord qui montre que eh bien monsieur Sayo pas gain pouvoir ça non seulement pas gain pouvoir ça il dit lui-même s'il t'a fait erreur l'ital rentré dans démarche monsieur yo eh bien donc c'est empirer, il va empirer la crise là parce que yo remaniement ministériel pas mener rien pour pays là. Là nous en partie nous capable bal raison parce que qui ça si gouvernement ça qui établi là Yves là et qui ça nous capable dit yo fait en termes de réalisation on t'a passé dans tout ministère pour t'a garder ministère travaux publics qui ça qui fait sous pays là. Et est-ce que même contre son route qui réparé et combien chantier cap marché si bon chantier cap marché je veux dire est-ce que c'est décision gouvernement ça ou dis-moi son projet est déjà en cours il a continué nous pas connaître si nous apprend et ministère intérieur à sécurité à collectivité territoriale Ibna en termes de sécurité nationale qui ça nous capable dire ministère ça porter pour nous et ministère affaires sociales jusqu'à présent qui sa société a bénéficié en termes de projets qui t'a cap visé à soulager misère population donc nous capable dire jusqu'à présent son gouvernement qui là Ibna qui inactif qui pas gagne rien qu'elle produit côté capable dire eh bien de manière palpable eh bien mais ça a fait pour t'a dit bon OK ça a pas suffi en alder plus on comprend bien ça nous là donc si eux même c'est comme ça y est est-ce que on y un remaniement est-ce que qui élément qui vient là et pour t'a dit bon élément ça capable ba ou yon plus bon résultat et d'ailleurs il vient là m'pas penser que
et solution c'est dans ministre le poser il n'a pas venu me penser c'est d'abord le premier ministre qui pour mettre feuille de route et en exécution. Donc si le premier ministre te fait feuille de route, donc il est à lui-même, et malgré des annonces qui faites en ce sens pour t'a dit que eh bien il y a un problème que pays a gagné, eh bien qui joue un rôle prioritaire qui c'est question sécurité. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a rien pas fait dans la question ça, rien pas marché dans la question ça. Et ou même de mon côté, eh bien, le ministre de la Justice, là, c'est accusé à pas accusé lui, eh bien, de complot, de deal qu'elle a fait, parce que il était et avocat en série de citoyens, eh bien, qui n'ont pas de possibilité pour te joindre la libération, yo, malgré demande, mais les vérités faites par rapport à l'état de santé. Eh bien, client ça yo, il pas joindre mais lever ça et la ni ministre justice mon ça une libération. Donc c'est une bagaille que reprocher ministre justice là. Donc en thème bon, tout le monde était en parler très fort, t'a félicité maître Carlos Circule comme étant un bon grain, un bon avocat et qui capable et eh bien permettre justice pays à eh bien recadrer tête li et je ne veux dire mais lui-même en personne il est accusé. Il est accusé et accusation qui gagne fond quand même. Oui, donc c'est dossier corruption. C'est une façon pour nous dire que là encore, le gouvernement a été monté à tout CPT, a mis une mission qui a été gagnée, tout c'est pour te stopper question corruption dans l'administration publique. Là. Et voilà qu'au niveau CPT, a déjà gagné trois conseillers qui impliqués dans la question scandale. Et Gary Conny lui-même, en personne, grand pile par l'empile, qui a fait sous doule tout lui-même par rapport à la façon qu'il a mené. Ça veut dire que ce n'est pas un changement, un ministre, et il me pense que la solution va venir. Mais c'est parce que quand on toujours dit là, de l'eau, il y a un sale dans la bouche là. Donc c'est depuis la tête de l'eau, il y a un sale. Je pense que si tu as un bon essayé pour faire, c'est à vous et tout le gouvernement ça aller. Mais pour nous, c'est qui est son bail et qui moyen politique qui gagne, je ne veux dire. Et pour nous arrêter, pour nous dire nous prenons le crason gouvernement, pour nous venir avec l'autre. Au moins, si CPT a été inspiré confiance, il y a des bagailles qui ne sont pas impliquées là-dedans, il y a des non-conseillers qui ne pas citer non-conseillers des bagailles. Si nous avons été campés, nous avons conservé toute l'intégrité, au moins, nous sommes capables de dire qu'il y a une possibilité pour nous bagaille. Non, mais là, Mathilde Sonoa, est-ce qu'on pense que Jean et le Premier ministre Gary Conny montrent les confortables? Il est confortable dans primature là, est-ce que ça t'a dit tout nous qu'a sorti dans un bicéphale à un monocéphale que premier ministre là censé gueler sous route lui même l'a cherché monocéphale déjà là de manière tacite monocéphale parce que si il ne veut dire qu'on se pété qui pas qu'à décider qui pas qu'à prendre rien comme décision et il pas moyen ni moyen politique ni moyen économique parce que et les cinq ministères régaliens yo entre les mains du premier ministre et li kembe yo li pa décidé partager avec personne. Ouais, et déjà si nous t'a dit moyen politique, eh bien qui force politique que moun sa gen pour arriver chambouler situation nan men premier ministre là. Donc ou senti premier ministre a pas agi en maître seigneur. Donc moi même pense si monsieur CPT ça c'était moun qui te gen caractère. C'est ou bien tu as révoqué Gary Conny ou bien tu as révoqué Tatcho. Ou bien tout, comme tu as dit, tu vas dire remplacer. Parce que c'est remplacer le premier ministre Gary Conny. Kounya la, mais ça, yo a montré là, c'est le jeu de correspondance qui a fait, vous avez correspondance, moi, vous avez le tourné bas, qui a fait. Ça a montré que le conseil présidentiel n'est pas assez cran, ou bien il n'est pas capable de tout. Et si il n'est pas capable tout pour le remplacer premier ministre Gary Conny et Gary Conny montre qu'il n'est pas tellement pas capable remplacer ou elle finalement des trois conseillers et la parler de pas capable et pas capable remaniement ministériel parce que ça CPT a besoin lui dire les pas balin c'est bien dommage mais pour qui ça CPT a tout c'est sous ça seulement limité c'est un remaniement ministériel et il pas prendre décision avec tout code que premier ministre toute convocation bail premier ministre il pas décidé pour le chiter ensemble avec eh bien encore mais c'est ça donc le premier ministre continue à passer monsieur la bêtise pour continuer à monter au pas rien et il continue à monter au mission était finie depuis le jour que lui même était pas investi lui donc c'est ça lié on comprend donc c'est son bagage que j'aime pour me répéter nous t'ai annoncé là déjà et je ne veux dire qu'à faire pousser donc c'est peut-être à représenter rien
seulement il y a une possibilité pour juger ce privilège que ça a baillé, mais en termes de décision, il va gagner pour ouais, il va gagner pour dire dans pays et qui plusieurs évident. Depuis l'ascension et Leslie Voltaire, on sentit qu'il y a une guerre politique qui déclenchait dans le pays. Qu'on était capable de léguer ça, on est là par l'aspect HTK. Donc c'est là nous venons et nous connaissons l'intention et position la Valas et nous connaissons qui position PHTK vis-à-vis et la Valas. Donc c'est là nous venons et la Valas lui-même qui toujours connaît eh bien pouvoir c'est pour l'Ilier et je veux dire un accident et dans processus de transition hein, qui permet que il accéder au pouvoir, mais quand même ouais yo été non position qui m'était capable de dire qui presque qui inerte qui pas bougé parce que me pensais qui ça monsieur ça a gagné dans comme fait de route ouais pendant temps transition et déjà Edgar Leblanc qui passait qui presque et bon bilan qui nul non sens et bon seul bagaille et Galib l'a fait qui fait mon capable parler de lui c'est façon qu'elle était campé sous tribune des Nations Unies pour le parler qu'elle était dit des bagailles et parmi eux question pour le bon côté qu'elle a fait répétition sur question d'être indépendance donc où a pu le monde t'as dit oui lui t'as pas de bravo t'as c'est là moi-même dédié moi-même je sais pas parler pour le dire ça, pour le dire ça. Non, mais c'est toujours même équipe Gary Conian qui t'a écrit et discours, même s'il fait arrangement là. Même s'il fait arrangement là. Oui. Tout parce que, dans la tête Gary Conian avec l'équipe, il te connaît ce Gary qui t'a pas monté tribunal pour le parler. Donc, dans l'insistance, Edgar Leblanc, finalement, le défini par arriver aux États-Unis. Et si c'est espoir que les Voltaire était capable de remplacer, il était capable de faire tout le travail ça, c'était bien compté mal calculé. Donc lui-même il était obligé de déplacer tout pour l'Italie et au son j'aime d'Abdoul elle était revenu à l'aéroport là, son refus qu'elle était prend. Donc il pas capable d'exprimer problème qui était un malaise qui était gain entre lui-même avec l'équipe Conian. Il était obligé par éducation, par façon pour gérer problème dans le point déclaration, au son je pas de d'accord ensemble avec moi. Mais finalement, tout le monde ouais, c'était une couche peinture que Edgar Leblanc te baille pour visage il pas paraître l'aide qu'il était capable paraître par rapport à Jean Bagala te préparé. Finalement l'aller et il parlait, il que nous discuter tout préparé, il répond du message pour la dernière et puis il prend tribunal parler et par pression et étant envie boire de l'eau. Pour, au lieu de prendre une carafe là, il te mette de l'eau dans le là, il te préfère boire de l'eau dans la carafe là. Donc tout ça, malgré les gens qui essayaient bah, ça en couleur, en couleur voodoo-est, parce que les gens qui t'avaient estimé que c'est de l'eau qui t'a jeté sous le tribunal des États-Unis. Donc c'est pour moi que les Haïtiens sont à son tête chargée. Dans l'occasion comme ça, de l'eau qui jeté de l'eau, non, bah, c'est ce qu'il fait. Bon. En tout cas, c'est comme ça va galérer jusqu'à présent, mais là, déjà en ce qui a trait à yo exécutif bicéphale, nous pas capable de débattre ça encore et pour l'instant bon tête qui coupé, bon petit fil qui kembe tête là sous quoi, mais participer à pour moi son comme c'est des monde qui pas gain problème pour ramper pour pouvoir ouais quel que soit déception humiliation revenir la dernière qu'un belli et pour te prendre ouais Jean ou te faire t'es obligé faire marcher sur l'estomac pour en bas une série de critères que nous estimons qui pas normal pour un haïtien qui c'est haïtien vrai qui gagne sans de saline qui a couler dans venir t'es arrivé à accepter ouais finalement monsieur t'es passé par en bas t'as le pouvoir dans mes CARICOM et je veux dire mais qui côté lié mais qui côté ça y est. Et ou même demandé ou est-ce que les messieurs ça ou couché la caillou y a dormi est-ce que ou pas regrette que ou te rentré dans choix Gary Conian parce que malgré grand pile monde qui t'a comprendre et c'était imposé et communauté internationale t'a arrivé imposer Gary Conian monsieur mais finalement en pile monde finit par rendre compte que
eh bien Gary Conny te mené campagne pour ça, il te mettait l'argent dehors pour ça, il te fait ça qu'on est pour ça et je ne dis ah Lila avec support diaspora Lila ma connaissance si Bob déjà disponible et madame monsieur n'a pas appelé que sous antenne radio téléphone qui a suivi l'émission café au lait je dis ah c'est jeudi